La Garonne reste le seul grand fleuve d'Europe de l'Ouest où on a l'ensemble des grands poissons migrateurs. Malose, en fait, représente le premier obstacle sur la Garonne qui n'est pas franchissable par les poissons migrateurs. Il y avait un enjeu particulier puisque la Garonne reste le seul grand fleuve d'Europe de l'Ouest où on a l'ensemble des grands poissons migrateurs. La rivière de contournement de Malose est unique en France de par ses dimensions. Elle a été une vraie prouesse technique qui a été réalisée par EDF après de multiples ajustements qui ont permis de trouver le bon dimensionnement. Cette rivière de contournement est aussi importante sur un plan financier puisqu'elle a demandé près de 8 millions d'euros d'investissement de la part d'EDF sur lesquels l'agence de l'eau a amené près de 40% d'aide pour que cela soit possible. Au-delà de la problématique de la continuité écologique, cette rivière de contournement s'inscrit dans un projet beaucoup plus global de développement local pour permettre de développer les usages de loisirs, qu'ils soient canoë-kayak, pêche, développement de la promenade sur les bords de la Garonne. Le projet de Malose permet donc de concilier le développement des énergies hydroélectriques et la protection de l'environnement. On a là un vrai projet industriel et environnemental abouti.